Les handicapés sont pas bien traités en Afrique. Il y a des familles, même quand ils sont handicapés, les gens ils pensent que c'est un malheur. Ils ne sont pas bien suivis. C'est partout en Afrique. Tout d'un moment, on est au Burkina, on allait rendre visite aussi aux handicapés burkinabés. Mais au moins, tu vois, c'est les battants. Moi, vraiment, j'ai beaucoup aimé, quoi. Moi, je pense que c'est pas facile. Les autorités aussi ne font rien. Mais maintenant, même en Côte d'Ivoire, on parle même plus des handicapés, ils parlent de plein de choses. C'est pas facile, quoi. Chez moi, un frère handicapé, celui qui est malade mentalement, quoi. Là, je sais que vraiment, c'est foutu pour toi, quoi. Je pense que si tu as un handicap, la jambe, les bras, les yeux, tout ça, là, je pense que si tu es courageux, tu peux réussir dans la vie. Vrai handicapé, c'est mental. Quand ça ne va pas dedans, c'est... On devient fou, là, vraiment. Vous, en tant que mission aujourd'hui de Renan, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez, en fait, avec, genre avec un rétroviseur, en fait, tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans ce milieu, disons, beaucoup plus d'hommes, disons, hommes normaux, alors que vous, malgré tout votre handicap, vous êtes arrivé comme parmi toutes ces étapes qui est aujourd'hui. Moi, je pense que c'est une question de volonté. Normalement, il faut être courageux. Et les handicapés qui sont là, ils veulent compter sur les gens. Il y a d'autres qui veulent mendier. Ben, quand c'est comme ça aussi, les gens ne peuvent pas te respecter. Tout ce que Dieu fait est bon. Ben, moi, je me dis peut-être si j'étais physiquement important, le nom que j'ai aujourd'hui, peut-être je n'allais pas avoir. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon, quoi. Des fois, quand je regarde derrière moi, ça me rend un peu triste. Mais si c'est les handicapés, c'est des gens qui ont beaucoup de talent, qui sont beaucoup courageux. C'est pas facile d'avoir même une petite chance, quoi. Mais dès qu'on a une petite chance, on ne joue pas avec ça. Donc on est négligé, mais il faut te battre. En Afrique, c'est ça, c'est pas comme en Europe, quoi. En Europe, bon, tu vois, même il y a des marches, tu arrives dans le coin où un handicapé, tu n'arrives pas à monter, il y a les escaliers, il n'y a pas de protège, c'est compliqué. Mais en Europe, quand ils construisent à chaque fois, ils pensent aux handicapés, mais en Afrique, plus souvent, c'est pas ça. Même pour aller au cours, pour monter, d'autres même ils glissent, ils tombent, parce que les marches là, c'est pas. C'est mal fait. Donc, les gens, ils s'en foutent des handicapés ici. Hein. Normalement, un handicapé, même d'abord en Afrique, actuellement, là, il faut compter sur toi-même. Il ne faut pas compter sur les autres, quoi. Une petite question, en fait. Quel message ou quel conseil tu as donné à l'endroit de ceux effectivement, qui se laissent abattre et qui vont faire que des reclutages? C'est vraiment quel conseil en fait tu avances? Non, ce que je peux leur dire, moi je pense que ça ne sert à rien, quoi. Par exemple, quand je suis allé au Burkina,
je suis allé voir les frères handicapés. C'est les vrais artistes. Et ils ne comptent pas si le temps. Hein. Ils me créent des trucs. Tu vois, par exemple, les mobilettes là, deux roues, ils essaient de travailler ça à leur manière, rendre ça en trois roues. C'est joli à voir. C'est joli à voir. Mais ici, il paraît même comme au Mali aussi, c'est pareil. Ça dit qu'il ne faut pas compter sur les politiciens pour ça. Parce que quand ils montent les budgets et tout ça là, ils peuvent faire beaucoup de trucs, dire ouais, le budget pour les handicapés, mais il ne fait rien pour les handicapés. Ça, c'est un gros problème, quoi. Selon toi, qu'est-ce que l'on peut faire pour venir en aide en fait, aux handicapés? Mais moi, je pense que pour votre combat, moi, j'ai pris pour vous, quoi, pour que les démarches soient vraiment bien, pour que tous les handicapés, même, c'est même pas seulement en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, que les handicapés soient fiers de lui, qu'il peut regarder les gens dans les yeux sans être complexé. Le problème des handicapés, il y a beaucoup qui sont complexés, quoi. C'est ça le problème. Tant que tu as ça en toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas réussir aussi. Mais tu es là toujours, genre, quand on te dit tu fais pitié. Donc, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Par exemple, même aux États-Unis, on a eu les artistes handicapés, Stevie Wonder, il y a plein. Au Mali aussi, il y a les aveugles du Mali là. Ça marche et tout. Ils font des spectacles. Il ne faut pas compter sur quelqu'un, quoi. Voilà. Donc il faut te battre. Un handicapé doit se battre. Il ne faut pas avoir compter sur quelqu'un. S'il y a des gens de bonne foi qui pensent à ça, qui veulent penser au problème des handicapés, moi je pense que ça c'est vraiment... Il faut avoir un grand cœur pour penser à des choses comme ça. Les autorités ici, que ce soit ici, que ce soit en Europe, l'ONG, tout ça là, normalement, il doit penser à ça. Voilà. Il doit monter les budgets pour ça, essayer de rentrer en contact avec tous les handicapés, de discuter avec eux, pour voir réellement leurs problèmes, c'est important. En fait, votre dernier mot, en fait, dans ce tour, alors, en fait, du projet qui vient, qui est en train de naître, en fait, le dernier mot. Moi, c'est un bon projet. C'est depuis le Burkina. Ici aussi, on m'avait parlé de ça, à Adams. Donc, on s'est croisé au Burkina. On a tourné un peu. On allait croiser les frères handicapés. Et il m'a dit qu'il partait en France. Son retour en Côte d'Ivoire, qu'il allait passer ici. Et ça veut dire que c'est le même combat. Moi, je suis avec vous, quoi. C'est le même combat. Et puis ça tombe bien, c'est un bon exemple aussi pour tous les handicapés en Afrique aussi. Voilà, donc vraiment, c'est le même combat, moi je suis avec vous. Je prie le bon Dieu pour que tous les démarches soient bien, et puis le projet aussi soit bien, quoi. Voilà, donc, c'est ça.